Salut tout le monde, c'est Sissoen. Alors aujourd'hui on se retrouve sur GTA V. Je sais, ça fait longtemps. Alors dans cette vidéo on va se faire un petit test de vitesse d'un véhicule qui est vraiment cool, vraiment stylé comme tu as pu le voir dans l'intro. Il y a encore pas mal de véhicules que je vais tester, mais ça arrivera dans les jours qui suivent. Pour l'instant je n'ai pas fait de confrontation parce que ce véhicule était vraiment stylé. J'ai vraiment voulu faire une petite personnalisation de véhicule, tu vois. Du moins rien que pour ce test de vitesse. On va pas perdre de temps, on va tout de suite se lancer dans le test. Allez c'est parti. Ok c'est parti pour le test de vitesse. Donc ce véhicule s'appelle le Dominator GTX. Comme tu le sais, moi j'adore les Dominators. Bien sûr, ce n'est pas une super sportive, c'est une grosse cylindrée, hein, si je me gourre pas. Allez, on va déjà regarder combien elle fait de 0 à 100 mètres. Donc, elle fait 6,97, ce qui n'est pas vraiment, vraiment bien. Mais on lui pardonne. Franchement, ce n'est pas gênant parce que c'est vraiment un beau véhicule. Personnellement, je l'aime bien. Je pense que je vais le conserver. Il faut vraiment que je me refasse du pognon parce que franchement, pour les prochains véhicules, ça risque d'être vraiment très, très, très compliqué. Hein. Mais bon, c'est pas grave, il me reste encore pas mal de véhicules dans mes garages, donc je peux encore me faire pas mal de thunes. Bon allez, on va tout de suite voir combien elle fait de 0 à 3 km, donc déjà pas en dessous des 30 secondes, hein, voilà. Donc elle fait 37,20, 7 secondes au-dessus de 30, franchement c'est chaud. Ah franchement, elle brille pas par des performances de malade. Franchement, moi je la situerais sur la liste, personnellement, dans les 80, 90, peut-être même 100. Mais en tout cas, pour des performances pareilles, à mon avis, elle va vraiment être très bas. Franchement, c'est dommage parce que c'est vraiment un véhicule qui dépote, quoi. Donc, la ligne d'arrivée commence à pointer à l'horizon. Donc, on va tout de suite voir combien elle fait. Donc, déjà, elle est largement au-dessus de la minute. C'est un truc de malade. Donc, tu vois, elle fait quoi? 8, 9, 10, 11. Ouh, c'est vraiment pas bon. Franchement, c'est vraiment, vraiment pas bon. Ouais, elle vient de faire 1 minute 11, 305. Ce qui est vraiment, vraiment pas exceptionnel. Pour un véhicule récent, franchement, c'est vraiment pas exceptionnel. Bon, on va tout de suite rentrer sur le tableau pour regarder où il se situe. Ok, donc là, comme tu peux le constater, ce véhicule qui est une grosse cylindrée, encore une fois, je tiens à le préciser, ce n'est pas une super sportive. Elle se place à la 109e place. Franchement, c'est vraiment hyper léger, quoi. Niveau performance, tu vois, il y a déjà la Phoenix qui est en grosse cylindrée, qui lui a mis une grosse tollée, tu vois, de facilement 2 secondes. Personnellement, pour les performances, il vaut vraiment pas le coup. Il faut vraiment l'acheter pour l'esthétisme. Mais sinon, franchement, pour les performances, il ne vaut carrément pas le coup, quoi. Bon, franchement, regarde, bon, tu vas me dire, il y a le Benefactor qui s'est aussi pris une tonne. Bon, il a quand même réussi à battre l'Eli, qui est une grosse cylindrée. Mais sinon, attends, voir, en niveau sportif, il en a aussi claqué pas mal. Bon, on va pas lui jeter la caillasse parce qu'il a quand même réussi à mettre 5 sportives. Bon, il y a quand même une sportive classique, mais il a quand même mis une tollée à pas mal de sportives. On va quand même lui pardonner, c'est un beau véhicule, mais bon, il coûte relativement cher. Franchement, ils auraient quand même pu le mettre un petit peu moins cher, parce que là, franchement, ça fait mal. Enfin bref, si jamais tu voulais que je teste un véhicule en particulier, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je le ferai, j'essaierai de le faire le plus rapidement possible. Enfin bref, on est enfin arrivé à la fin de cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et surtout t'abonner. N'oublie pas de cocher la petite cloche de notification qui te permet de savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et sur ce, moi je te dis joue bien, ciao ciao.